Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. On continue pour les messages à la semaine, voir un petit peu ce qu'on veut vous dire cette semaine, quelle sera la guidance, la voyance ou tout simplement le conseil que vous devrez entendre. Et on va voir quel signe on va faire maintenant. Donc sachez que ces messages peuvent vous parler sur une situation que vous venez de vivre, que vous êtes en train de vivre ou soit que vous allez vivre et elles sont généralement reliées à votre guidance du mois. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir pour que vous puissiez comprendre un peu plus le message car ça parlera souvent au niveau du sentimental, du pro ou alors même du personnel. Allez, c'est parti, on y va. Hop, hop, il n'en reste plus beaucoup. Et c'est vous, les Sagittaires, que l'on va faire maintenant. Donc, ça concernera Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire et ascendant Sagittaire. Donc, pour les messages à la semaine, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Pour les guidances du mois, je ne vous le conseille pas pour ne pas avoir trop d'informations. Allez, c'est parti. Quel est votre message cette semaine, les Sagittaires? On va aller voir. Ok, allez, on vous dit, les Sagittaires, acceptez la différence. Haute vibration et le courage d'oser. Ok. Bon, ce qu'on ressent là, les Sagittaires, pour moi, ce que je ressens, ça va être une notion de vous entourer, de vous entourer de personnes, de vous réouvrir au monde et de vous réouvrir à faire de nouvelles connaissances. Pourquoi? Parce qu'on vous dit là que de faire des nouvelles rencontres, d'aller voir des nouvelles personnes va faire évoluer votre vibration et que en ce moment, vous en avez besoin. Je pense que vous avez tourné le dos à une situation ou le dos à une personne ou le dos à un travail, peu importe, qui fait que il y a ce côté un petit peu repli, ce côté un petit peu seul, ce côté où voilà, on a un petit peu, voilà, on a un petit peu du mal et puis vos vibrations, elles ont tendance à aller vers le bas. Là, on vous conseille, voilà, de vous réouvrir aux autres personnes, de communiquer aux autres personnes pour pouvoir que vos émotions augmentent, que vos émotions et que vos vibrations, ouais, augmentent. Alors, ça peut ne pas être facile. Pourquoi? Parce que ça peut être ça fait peut-être un moment que vous êtes, que vous vous retrouvez seul, que à cause de cette situation que vous avez vécue, il y a eu un moment de repli et que donc ça paraît difficile pour vous, ça paraît compliqué. En tout cas, on vous conseille là d'avoir le courage d'oser, le courage de vous lancer et le courage d'aller vers les personnes. Pourquoi? Parce que il y a dans ce côté social ou sociabilité, en tout cas, ce côté stabilité. Ça vous aide quand même à échanger, à partager et comme je vous disais, à élever vos vibrations et donc à retrouver votre côté ancré, votre côté stabilité. Donc là, ça va être important. Bon. Ça va vous aider aussi, on peut nous dire, à accepter une situation ou à accepter quelque chose. Donc ça vous parlera. Bon, on va aller voir un peu plus avec les oracles si on peut en savoir un peu plus. Alors, quand on dit d'aller vers autre chose, vers d'autres personnes, ça peut être aussi autant du niveau sentimental. Donc, vous venez de quitter une personne, vous venez de vous séparer, où il y a eu une complication. Et là, on vous dit, ben, réouvre-toi à quelque chose d'autre. Essaye de te réouvrir à autre chose. Ne reste pas enfermé, comme ça peut être une relation professionnelle. Vous venez de quitter une relation professionnelle et dans ces cas-là, on vous dit, même si ça paraît compliqué pour le moment, d'aller chercher ailleurs, d'ouvrir d'autres portes, d'aller voir du monde en tout cas. Et d'avoir ce courage d'aller, d'oser et d'aller chercher. De ne pas rester dans des vibrations un peu basses, un peu stagnantes. On peut nous dire aussi que c'est peut-être par peur, les Sagittaires, pour vous, la peur de retrouver la même situation, de retrouver la même personne. Et on vous dit, pas tout le monde est pareil. Ce que vous allez rencontrer ou les opportunités que vous allez avoir
ne seront pas forcément pareilles. Généralement, quand on subit une situation difficile, c'est qu'elle a été là pour nous apprendre. On ne va pas la subir pendant 15 ans. Vous voyez? Donc, il se peut qu'il y ait cette peur aussi. Ce que je peux comprendre totalement. Allez, on va voir un peu plus. Donc, on nous dit, vous voyez, il y a une situation qui a tourné le dos. Soit vous avez tourné le dos, soit c'est une situation qui vous a tourné le dos. Et on va vous demander cette semaine de venir, vous voyez, cette vague d'abondance, de venir un petit peu bouleverser vos habitudes que vous avez en ce moment et d'apporter cette joie, d'apporter cette abondance qui vous manque, cette abondance que vous avez perdue à ce moment-là, au moment où cette situation a tourné le dos, ou que cette personne a tourné le dos, que vous-même, vous avez quitté cette situation. On vous dit que malheureusement, cette situation, elle a été là pour vous faire comprendre une expérience, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et qu'il y a autre chose, qu'il y a autre chose de plus beau pour vous ailleurs qui vous attend, mais qu'il faut réussir à aller le chercher, il faut prendre le courage d'aller chercher. Vous ne trouverez pas la même situation à chaque fois. Je pense que oui, c'est une peur que vous avez, et ce qui est totalement humain et totalement logique, mais on vous dit, cette situation-là qui s'est passée, elle vous a servi d'expérience et donc forcément, vous n'allez plus réagir comme vous aviez réagi avant. Probablement qu'il y a eu des complications, soit de l'autre côté ou soit de votre côté, mais vous savez maintenant, vous comprenez. Mais pour que vous puissiez voir que les personnes, ils ont changé ou qu'une situation peut vous apporter autre chose et peut vous apporter de l'abondance, il faut sortir de cet état de solitude. Il faut sortir de cet état de peur, malheureusement. Voyez, il y a eu. On vous dit que probablement déjà cette situation, elle a été faite pour que vous puissiez vous reconnecter avec vous-même. Pour que vous puissiez reconnecter avec vous-même et sur un schéma que vous avez à l'intérieur de vous, sur une communication que vous aviez à l'intérieur de vous qui n'était pas bonne et sur lequel vous fermiez les yeux. Vous voyez? Vous fermez les yeux. Ouais, vous fermez les yeux et vous ne disiez rien. Vous voyez? C'est un petit peu ce côté reclus aussi que vous avez retrouvé. Vous avez eu un temps de pause, on nous dit un temps de pause pour vous reconnecter après cette période difficile, après cette période compliquée, mais maintenant, vous voyez, il est temps de réouvrir d'autres portes, il est temps d'aller dans d'autres directions. Vous ne pouvez pas rester figé, bloqué, peut-être même dans l'attente. C'est possible qu'il y ait certains Sagittaires qui soient dans l'attente que cette situation revienne. Or, pour le moment, on vous dit elle ne reviendra pas, elle est coupée, elle est coupée, elle est figée. Donc, saisissez cette possibilité. Saisissez les opportunités et ayez le courage pour le moment d'aller vers autre chose. Voilà. D'aller vers autre chose. Voyez, et on vous dit que cette situation, pourtant, elle est figée et elle vous aide, cette coupure que vous avez vécue, elle vous aide à vous, les Sagittaires, à renaître. Voyez, à renaître. Il y a le mot, j'entends deux mots, renaître et renouveau. À renaître, mais en apportant du renouveau, vous, dans votre vie. Et cette situation, elle a été là pour que vous puissiez ouvrir les yeux et vivre une expérience, malheureusement, sur quelque chose qui a été toxique ou sur quelque chose qui a été nocif. Mais, il faut malheureusement pas rester figé dessus et voir cette situation un petit peu comme une force dans le sens où ce que vous avez accepté, ce que vous avez vécu ou ce qui s'est passé tout simplement, vous ne le réaccepteriez plus comme avant, vous ne le vivrez plus comme avant. Ouais, on est encore sur des cartes où on ne dit rien, on ne dit rien, on n'ose pas communiquer, on n'ose pas parler parce qu'on a été un petit peu traumatisé par cette ancienne relation et qu'on a peur de retomber sur ça.
de retomber sur ça, de retomber sur des relations qui seront tristes ou des relations qui seront qui vous rendront encore dans le manque ou dans la complication ou dans la difficulté. Mais on vous dit que c'est si les Sagittaires, c'est ce que vous pensez, voilà, si vous pensez ça, que vous allez vous attirer que des personnes comme ça, donc ça s'appelle la loi d'attraction, malheureusement. Et d'ailleurs, je vais vous chercher un livre qui est pas mal. Hop. Tic-tic-tic-tic-tic. Voilà, hein, j'en profite. Un livre qui a été super bien, donc c'est celui-là. Donc c'est le pouvoir de manifestation. C'est en fait travailler sur nos pensées, travailler sur ce que l'on pense, parce que ce que l'on pense et nos pensées, c'est généralement ce que l'on s'attire. Donc cet outil-là, il va être pas mal si vous êtes dans ce schéma-là pour justement aider votre inconscient ou votre subconscient à changer sa façon de penser et à vous attirer des personnes plus positives, des personnes qui vous élèveront, qui feront élever vos vibrations comme on le voyait tout à l'heure. Mais c'est pas mal, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il y a un petit peu cet état d'esprit à changer. Parce qu'on attire à soi, on attire à soi ce que l'on pense. Et malheureusement, le plus souvent, ça reste inconscient. Vous voyez, il y a une mise en lumière sur une communication intérieure. Voilà, sur les messages que vous voulez envoyer, sur ce que vous voulez récupérer. Voilà. Dites-vous, il faudrait le Sagittaire que vous vous dites que je vais, voilà, à l'inverse, je vais attirer des bonnes personnes, je vais attirer des personnes saines, je vais attirer des personnes qui vont m'élever, je vais attirer des personnes qui vont m'aider. Mais il faut vraiment que voilà, vous commenciez à vous le répéter petit à petit pour sortir du cercle dans lequel vous y êtes. Et puis, une fois que vous avez travaillé ça, prenez ces portes et allez, osez aller voir les personnes parce qu'il faut dans un sens que vous vous rendiez compte, et c'est par vous-même malheureusement que pas toutes les, voilà, acceptez la différence que pas toutes les personnes sont pareilles. Mais pour pouvoir vous en rendre compte, il faut déjà changer son état mental et puis ensuite, il faut aller vérifier. Vérifier en comment, en faisant quoi? En s'ouvrant et en ouvrant des portes. Voilà, en faisant le premier pas. Le premier pas, mais c'est vous au fond de vous qu'il faut faire ce pas. Il y a que vous, on nous dit, qui pouvez prendre cette direction et sortir de cette stagnation un petit peu relationnelle où pour l'instant vous fermez les yeux, vous ne voulez plus parce que vous êtes ancré sur le passé. Voilà. Mais non, on vous dit non. Pas toutes les relations seront pareilles. Alors peut-être qu'elle a été intense. Intense au niveau de la passion, intense au niveau de la relation ou intense au niveau de la séparation, c'est possible aussi. Mais on vous dit que pas toutes les relations sont pareilles. Voilà. Il y a et il existe des relations équilibrées ou des relations où vous serez bien malgré que vous en doutiez encore. Mais on vous dit la seule solution et la seule façon de pouvoir le voir, les Sagittaires, c'est de vous mettre en action et d'aller ouvrir ces portes, de sortir de votre solitude, voilà, de retrouver quelques joies, quelques festivités, de faire des sorties, aussi petites soient-elles dès le départ. Voilà, reprenez vos habitudes, mais faites-le pour apprendre, pour savoir, pour comprendre, pour faire connaissance avec des gens et pour voir que pas tout le monde n'est pareil. Voilà. Et on vous dit hein, qu'il y a des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir trouver de l'harmonie au niveau de la communication. Donc, vous apercevoir que vous pouvez vous entendre et qu'il y a des personnes qui sont au final comme vous et qui vous permettent, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'évoluer, d'avancer dans de bonnes et belles vibrations, chose que vous n'aviez pas avant. Vous voyez? Mais il faut saisir votre chance. Voyez, hop, j'y reviens. Il faut saisir votre chance et ouvrir cette porte. Voyez la porte, vous avez la clé, la porte, elle est là. Et il faut y aller, même si c'est dur. Mais vous ne pouvez et vous ne pourrez comprendre que en le faisant, que en y allant. Et on vous dit que finalement. Si vous arrivez à le faire, vous voyez, elle retombe encore, c'est fou, c'est les deux cartes. Alors, trois cartes qui se sont retournées, c'est des cartes de mouvement, des cartes d'avancement. Voyez, le premier pas, la voiture, on y va, et puis le mouvement. Donc, c'est vraiment ça pour vous. Et derrière, on a quoi? La solitude. Ça va être vraiment le message, bon, je vais les garder, le plus important pour vous, de faire ce premier pas. Et j'allais vous dire que si vous arrivez à faire ce pas, c'est que vous allez vous rendre compte effectivement que ce côté extérieur, ce côté relationnel et le fait d'aller voir ailleurs, c'est très abondant pour vous. Et ça va vous redonner de l'énergie, forcément, parce que vous serez connecté. Voilà, vous serez connecté.
Et le fait de pouvoir vous réouvrir, on vous dit, ça vous fera retrouver une stabilité qu'on avait tout à l'heure dans vos émotions. Le fait de se sentir moins seul, le fait de se sentir vide un petit peu, vidé. Voilà, on a besoin de ça. Et vous, en ce moment, vous avez besoin de ça. Allez, on continue avec l'oracle des Médéors pour en savoir un peu plus. Vous voyez l'abondance. Il faut rechercher l'abondance et ne pas rester dans la tristesse. Voilà, dans ce que vous êtes. C'est votre but. Voilà. Et puis après, on vous dit surtout là, c'est que vous allez voir et vous allez comprendre que ça vous apporte tellement de choses, tellement de vagues d'abondance, comme on disait, que probablement à un moment donné, vous vous regarderez avant et vous dire waouh, mais comment j'ai pu à un certain moment rester autant figée, autant blessée, autant enfermée? Vous voyez, pourquoi je ne suis pas allée le rechercher ailleurs? Pourquoi je n'ai pas pris cette porte avant? Parce que ça me fait tellement de bien. Votre enfant intérieur, il va revivre à partir de ce moment-là. Parce que vous allez reprendre une communication, parce que vous allez échanger, parce que votre chakra du cœur va vibrer et ça va apaiser vos émotions. Donc, vous allez retomber dans un bonheur total et de paix intérieure. C'est fou. Et pour vous, c'est la clé, la solution. C'est ça, cette libération que vous devez faire. Vous réconcilier avec les personnes qui sont autour de vous, vous réconcilier avec vous, votre amour, est-ce que vous voulez faire quoi? Voyez, il faut, vous avez des doutes, vous avez des confusions, vous avez peur sur ces rencontres-là que vous devez faire. Mais on vous dit, libérez-vous de ces peurs, changez votre communication intérieure et osez communiquer à l'extérieur, amenez cette transformation. Parce que pour l'instant, oui, ça vous bloque. Mais vous verrez que vous ne serez pas déçus. C'est ça qu'on vous dit. J'arrive pas à la ouais. Période de stagnation et rupture avec cette période de stagnation. Ouvrez les yeux, voyez, et apportez ce changement. Parce que ça va être tellement puissant pour vous, ça va vous faire tellement de bien. Voyez ce qui a voulu tomber. Passage à l'action. Allez vers votre abondance. N'y tournez pas le dos. Donc, osez faire ce saut, osez faire ce pas. Arrêtez de rester figé, de rester fermé. Ça ne peut vous apporter que du bien. Ouvrez cette porte, on vous dit. Et vous allez retrouver tout votre potentiel et une réharmonisation générale. Je ne peux rien vous dire de plus à part que c'est la clé, la solution pour vous, elle est là. C'est de vous réouvrir. C'est un besoin pour l'instant. C'est un besoin pour l'instant. Et on vous dit, ça tarde. Ça fait peut-être un moment que vous êtes comme ça. Vous êtes loin, que vous êtes seul, que vous êtes dans le sombre, que vous voyez de loin, mais que vous n'y allez pas, que vous ne foncez pas. Pourquoi? Parce que c'est les émotions. C'est les émotions qui vous en empêchent, la peur, les doutes. C'est la lune, on vous dit. Et la lune, c'est ça, c'est les incertitudes. Ouais. C'est les incertitudes. Bon, après, comme on vous dit, voilà, c'est vraiment juste, on vient vous conseiller, on vient vous dire d'aller chercher ailleurs, d'aller voir ailleurs. Et puis surtout, on vous dit que vous serez content. Vous voyez, on vous dit à la coupe, gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Vous voyez, il prend son baluchon, là, il prend son bâton, il marche. Hop, il marche. Mettez-vous en avant, les Sagittaires. La grande aventure, prenez le risque, prenez l'initiative, mais ce que vous allez trouver, c'est des personnes bien, des belles personnes. Allez, on va prendre une petite carte. Du coup, lui, c'est le voyageur sacré. Vous voyez? Restez concentré sur ce que vous voulez. Et voyez, lui, il regarde par la fenêtre. C'est un petit peu ce que vous êtes en train de faire. C'est que vous regardez un petit peu tout ça, mais de loin, et que vous n'osez pas y aller, que vous n'osez pas franchir cette fenêtre. Maintenant, on vous dit, arrêtez de regarder de loin et allez-y, foncez. Pourquoi? Parce que déjà, les autres seront un phare pour vous, mais parce que vous aussi, vous avez un rôle à mener pour les autres. On vous dit, vous êtes un phare pour les autres. Donc sûrement, les Sagittaires, vous avez aussi un rôle à jouer pour toutes ces personnes-là. Donc tu ne peux pas rester caché, tu ne peux pas rester figé. Parce qu'autant pour toi, pour ton bien-être, que autant pour le bien-être des autres, ça va aider. Donc sortez, sortez de votre solitude. Et elle est là, c'est fou. Sortez de votre solitude. Vous l'avez déjà assez fait. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre sagesse. Et allez-y, le temps est venu. Répondre à l'appel. Le temps est venu, répondre à l'appel. N'ayez pas peur, parce que vous allez être content. La joie et l'enchantement, vous allez être content.
et ça va vous aider à débarrasser le passé et à guérir le présent. Donc ça va être très important pour vous. Ok. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. On va voir ce qu'on veut vous dire, Sagittaire. Osez, ayez le courage d'oser. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. Il y a des belles personnes qui vous attendent. Et puis, ça va vous aider aussi à sortir de cette ancienne situation-là qui a été conflictuelle, que vous avez vécue. Et acceptez que pas tout le monde soit pareil. Ça, je sais que c'est difficile, hein, par rapport à ce qu'on a vécu et au traumatisme qu'on a pu vivre, mais... On vous dit le moment présent. Hop là. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voyez à cette notion de se faire des amis ou de faire des rencontres encore. Mais d'être avec maintenant ce que vous vivez maintenant, avec cette nouvelle perception que vous avez, avec ces nouvelles expériences que vous avez faites, et non pas en restant figé sur le passé comme quoi tout le monde reste pareil. Vous voyez, parce que ça, c'est faux. On vous dit, c'est une manipulation du mental. C'est une manipulation, mais ce n'est pas la réalité. Voilà, ce n'est pas la réalité. Et vous voyez, on vous dit la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Oui, vous avez vécu une situation difficile, mais maintenant, vous allez attirer les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Si pour l'instant, vous en doutez, que vous restez figé, que vous sentez que votre mental, il est figé, pensez à ce livre, Le pouvoir de la manifestation, ou alors, vous tapez sur Google des playlists d'affirmations positives qui vont vous faire changer un petit peu ce mental qui est fermé. Mais n'hésitez pas à le faire. Parce qu'il y a une renaissance pour vous, il y a un joyau pour vous, et autant pour ces personnes que vous allez rencontrer qu'autant pour vous. Ouais. Autant pour vous. Et c'est très important. Allez, on va prendre une dernière petite carte avec communiquer avec son ange gardien. Et puis, je ne pense pas que je ferai le pendule, du coup, puisque ça parle au niveau du relationnel. Donc, que ce soit un relationnel professionnel ou que ce soit un relationnel sentimental ou amical ou familial, c'est qu'on vient vous dire simplement là de vous réentourer et de vous réentourer de bonnes personnes, vous voyez. Tac, 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 tac. Allez, on y va. On vous dit l'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Voyez, on vous dit que c'est un petit peu un signe. Et je pense que on vous a aussi fait des signes. On vous a aussi fait des signes. On a peut-être mis des personnes déjà sur votre route pour vous réouvrir, mais que vous ne l'avez pas pris. Et on vous dit, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es ou tu as été confronté vont disparaître bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a des meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt des solutions. Voyez? On vous dit que cette situation ne peut pas durer toute votre vie et que c'est le moment de chercher des solutions. Et la solution, on vient un petit peu vous la dire aujourd'hui. Voilà, vous voyez, derrière, on a arrêt de t'apitoyer sur ton sort. Et fais-toi confiance.
Voilà, lentement mais sûrement, allez-y progressivement, petit à petit, mais allez-y. Et vous voyez, ressent l'amour inconditionnel. Pour moi, c'est des belles rencontres que vous allez faire. Des rencontres qui seront importantes, des rencontres qui ce sera un petit peu des synchronicités, on vous dit. Donc, abandonne le déni. Cesse d'analyser avec ton mental et va vers l'abondance. Va vers l'abondance. Eh bien voilà les Sagittaires, j'espère que ce message vous parlera, qu'il vous aura aidé, guidé ou même conseillé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et osez les Sagittaires, osez. Voilà, dites-vous que pas tout le monde n'est pareil. Que c'est certaines personnes qui ont été mises sur notre route, elles ont été là pour nous faire travailler et pour comprendre des choses. Voilà, mais pas tout le monde est comme ça. Gardez juste ça dans votre tête. Eh bien voilà, je vous dis une belle soirée et puis à très bientôt. Au revoir.